Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Bulletstorm. Ouais, je sais, on les attendait plus, mais c'est pas grave, ils arrivent. Alors, côté histoire, je sais plus du tout où on en est. Par contre, j'ai ramené quelque chose de bien. Quelque chose de... pas de nouveau, mais presque. Et... je vais les laisser se présenter, peut-être. Ne fais pas marrer pendant que je bois ma mousse, toi. Bonjour. C'est moi. Pardon. Ah, voilà, ça va mieux. Bonjour à tous, c'est Post Café. Je me suis dit, on va faire une intro de deux plombes, j'ai le temps de me boire un petit coup. Et non, non. Qui jamais, les mimes, allez, dans ta gueule, prends ça. Mais c'est ça qui est drôle quand tu les fais à autant décousu que ça, c'est que je sais jamais où j'en suis dans ce putain d'histoire. Ah ouais, t'as failli m'étouffer pour le coup, tu vois. Voilà, voilà, bonjour à tous et merci Iki de m'accueillir. Genre, il m'a ramené. Je tourne un épisode, ramène ton cul. Ok, pas de problème, y'a pas de soucis, j'arrive. Autant en profiter. Bon, par contre, je préviens tout de suite. Moi j'ai l'image, vous avez l'image. Pause, il a que le son, donc. Ouais, c'est dégueulasse. On va faire ce qu'on peut, hein. C'est un peu de la ségrégation, hein. Tout ça parce que je suis une loutre en fait, c'est ça. C'est ça, mais si t'es ça, je t'aurais une pomme. Bon, allez, sur ces quelques mots, je crois qu'on va pouvoir essayer de retrouver l'histoire. De toute façon, il y a un truc qui changera pas. Hein. On a Monsieur Lapoisse, on a le micro en sushi derrière nous. Moi, je crois qu'il avec faut rien de plus. Avec des ondes bleues en plus, c'est parfait quoi. Oui. Le mec, il inspire bien confiance, tu vois. Acte 5, chapitre 1. T'en es où d'ailleurs, en fait là? Acte 5, chapitre 1. Je me demande si c'est pas après que j'ai fait un décollage express en ascenseur. Ah, tu vas avoir le fameux Rémi Julienne ? Possible. T'as déjà affronté la plante, là ? Ouais. Ah, ok. J'ai mal de partout. Oh, ouais, du coup, dis-moi s'il y a une cinématique ou quoi, parce que moi, je suis complètement à l'aveugle, tu sais, je regarde mon écran Skype comme un con, tu vois. Là, ça papote un peu en se relevant, mais... Il y en a un pas loin. D'accord, on te suit. On va chercher un monorail. Oh, ça me va comme programme. Non, pas la roulade. Oh. Oh putain, le robot, il est à moi. Il est à moi, touchez pas. Voilà, dans Sushi. Ils s'entendent bien entre potes bien. Électroniques. En fait, faudrait que je fasse le jeu en même temps, tu sais, pour savoir où tu es. Ouais. J'aurais dû allumer la bubble. Ah mais lol. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as fait? Mais tu vois le niveau que je t'ai dit où je me faisais un peu exploser la gueule en faisant le con pour les tests? Bah genre c'est exactement sur ce niveau que je viens de débarquer. Enjoy. Ouais. En plus c'est un moment que t'as pas repris, alors là tu vas douiller là. Ouais, merde, j'ai passé de points. Si je peux prendre un 6 pour le campus. C'est bon, tout va bien. De la visite, de la visite. Oh, trop bien. On a de la visite, moi j'ai trouvé une bière. J'y vois tout trouble. Bah d'ailleurs, tiens, je vais en profiter vu que j'ai pas l'image et tout ça pour bien t'emmerder. Je vais pouvoir te poser des questions à la con. Comme par exemple, mais Iki, où étais-tu tout ce temps? Je dois vraiment répondre à ça? Oui. Merde alors. Je sais pas, je me suis perdu en chemin. Oh putain, je suis quand même pied. Iki, est-ce qu'on aura des épisodes de manière plus régulière? Est-ce qu'un jour tu vas finir Bulletstorm? Oui, un jour. J'ai essayé d'être un peu plus efficace. Ah, ça me fait rigoler parce que ça fait je crois que le record battu c'est toi, hein, parce que Tyran il a mis... Attends, je dis pas de conneries. Un an pour faire 4 épisodes de Sonic, ou 3. Je crois que t'as un 4. Toi t'en es à 7 épisodes, 7ème épisode, t'as mis 2 ans. T'as battu tous les records quoi. Oh trop bien. Putain. On peut lui renvoyer le... J'ai un gros, tu sais, qui envoie les balles explosives là. Ah ouais, c'est chiant ça. Mais je peux lui renvoyer, lui faire exploser ses balles explosives en vol. Ouh le touchdown. Ouh le touchdown, il était beau. Ah, c'est bon ça, ouais, j'avoue, tu économises des balles. Tu crois que tu peux les renvoyer avec un coup de latte aussi? Tendu à mon avis.
À mon avis, au mieux pas essayer des... Parce qu'il y a moyen que tu te retrouves avec juste le tibia qui pend, tu vois. Ah, c'était beau, ça, tiens. J'ai donné un bon vieux coup de pompe dans le mec, il a valsé jusqu'à la bombe à côté, il a fait exploser les gars avec. T'as eu un environnemental, au moins? Non, j'en ai eu trois. Ah, bien. Ah, celui-là, tu le tentes en grand chef, notre. Ouais. Là, je suis surtout un pro de la glissette fatale. Ah, l'assaut. Alors, du sismoloc, ouais, il m'en faut. Le jour où ils feront un multijoueur sur Bulletstorm ou un jeu du genre, je ramène une caisse de bière, je me ramène chez Iki et on le fait. Obligé, quoi. Bah, un multijoueur digne de ce nom, parce que là, il y en a un, c'est un peu pourri, en fait. Ouais, non, mais le multijoueur, ouais, il est pourri, mais un vrai multi, quoi. Un vrai multi des familles en campagne, en coop, quoi. Rends-toi utile et ouvre-nous ce train. J'ai compris. Ah, mais c'est oui, bon. C'est quand on essaie de prendre le monorail. Oh, c'est là, merde. C'est bien ce que je pense. Un tir de couverture ne serait pas de refus. Et voilà. Un tir de couverture, tu m'as vu là? Où t'as vu que je faisais de la couverture, moi? Qui quadrille, tu sais. Hop là, horizontal, vertical, voilà, je fais des lignes, c'est bon pour faire un morture, les mecs. Il est bon, tu sais, avec son flingue. Parachute! Ouais! Par le... C'est où la droite? C'est où la droite? C'est à ta gauche! Mais l'autre gauche! Attends, j'ai entendu crier! Oh oui! Ah, j'avais oublié celui-là, tiens, antidote. Ah oui, c'est vrai que t'as des boules de gaz là, t'as des espèces de sport dégueulasse. Amputation, antidote, fléau-bombe. Sur un seul coup de latte, ça va. Ça passe. Il y a des artistes, quoi, c'est bon. Ça te laisse. Ouh, toi, t'es au compte, toi. Ah oui, voyons. Bah, le pompe, je t'avoue que je l'aime uniquement pour son tir chargé, en fait, c'est tout. Ça, c'est ouais, mais j'ai pas encore le tir chargé. Oh putain, oh le con. Heureusement qu'il y avait une bombe à côté. J'ai plus de balles! Les balles ne lui font rien! Les balles ne lui font rien, les balles ne lui font rien. Bah si, il faut quelque chose, regarde. Il y a le haut d'un côté, il y a les jambes de l'autre. Il est où? Il est où? J'entends un putain de drone. Voilà, y'a plus de drones. Par contre, y'a des mouches. Et une vieille plaque d'égout dégueulasse. Tu veux retenter les mouches au revolver? Non, j'ai plus assez de balles pour. Mais ça se tentait, hein! Putain, je suis pas en forme sur les mouches. Sur 20, mais tu vas voir que je vais arriver à toutes les trouver en finissant le let's play. Ouais, parce que moi j'étais jamais arrivé en plus à trouver toutes les mouches. Bon, faut dire aussi, je me suis jamais vraiment penché sur les questions, mais j'ai jamais particulièrement cherché, je t'avouerai. Mais là, c'est... j'ai l'impression que je suis parti. Bah, en même temps, ce qui était con dans ce jeu, c'est il y a deux choses que je supporte pas dans ce jeu, deux petites choses. C'est le sniper, parce que le coup de faire un ralenti, toucher le mec comme ça, enfin. Je veux dire, tu tires en no scope, le type il a plus de moins de chances de s'en tirer que si tu tirais avec un scope, quoi. C'est le type un peu il a le temps d'esquiver la balle. C'est, je trouve ça un peu n'importe quoi. Et donc le snipe pour moi il est pas assez. En plus il ralentit vachement le rythme, quoi. Il est pas assez bourrin. Alors que c'est un jeu bourrin. Et justement le fait de chercher des petits trucs, genre les robots infos, bon quand ils te viennent dessus ça va. Les bouteilles d'alcool c'est rigolo, tu les cherches un petit peu. Puis en plus tu peux faire du skill point fastoche, quoi. Mais par contre, le coup de chercher les petites lucioles et tout ça, c'est pareil, ça ralentit le rythme. C'est un jeu nerveux, Bulletstorm. Toi, tu vas ça. Et
D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce. On a programmé Train 1, donc avec Itidoru et Jack Parsonis. On va essayer de tourner ça jeudi. Vous aurez l'épisode sûrement dans le week-end. Forte chance. Ouais, donc à peu près au même moment, ils vont voir celui-là, en fait. Ouh, merde, ça c'est un gros. Et je pense qu'avec Jack Parsonis, il y a moyen de faire moult lol et fort PTDR, tu vois. Pompier! Ah, je le connaissais pas encore celui-là! Pompier? Putain, j'ai jamais eu celui-là! C'est quoi? Je sais pas exactement, j'ai fait péter pas mal de trucs d'un coup! Y'a peut-être moyen que t'aies enflammé un mec et que tu l'aies balancé dans la flotte juste après? S'il y a de la flotte! Donc je vous rappelle que je ne bois pas! Je suis pas sûr que je l'ai. Bah alors? Mais non, tu devais péter sur lui, toi. Comme ça. Ah, coup d'envoi. Ah oui, j'ai de bon vieux coup de latte dans la tête du boss. Bah oui. Et quand tu lui tires dans les fesses, c'est le grand chelem. Ouais. J'adore faire le grand chelem, c'est parfait. Le grand chelem, j'avais déjà fait le coup d'envoi, pas encore. Bah, de toute façon, si je m'en souviens bien, si c'est le... Le petit tram là que tu dois faire plein d'allers-retours dessus parce qu'il y a plein d'ennemis qui t'arrivent dessus, enfin le petit monorail. Là c'est ça, ouais. Tu as pas mal de boss là-dedans. Je sais plus s'il y en a beaucoup qui défilent ou pas, mais j'ai rien vu passer quelques-uns. On peut y aller. Non, j'y vais pas de suite. D'abord je recharge. Ça y est, tu rentres dans le tram là ? Elle vient de dire c'est bon. Je sais pas encore si je vais pouvoir rentrer dedans sans souci, mais. À la limite, ça c'est comme le coup des 1% qui rentrent dans les grandes écoles. On s'en fout qu'ils rentrent, ce qu'on veut c'est qu'ils sortent. Bah là c'est pareil. C'est ça. On s'en fout de rentrer en train, ce que fait c'est sortir vivant. C'est compliqué. Fallait évaluer la gravité de la situation. Gravité de la situation. C'est je t'en foutrais moi. Mais si ton escadron Final Echo était pas foutu de maîtriser ses saletés, c'était mal barré. Les Skulls et les Crips, c'était pas eux le problème. Mais il y a des trucs bien pires encore ici. Oh oui. Vas-y, dis-nous ma grande, c'est quoi le pire truc dans le coin? Des trucs pires. Ce sont les burn-out, des vrais mutants. Ah, c'est bien ce que je pensais. Si attendez on en là. Voit un, ouais. Vous comprendrez. Génial. Donc, de mieux en mieux. Alléluia. Dans celui-là, il y a pas mal d'entrées des artistes. Bah, Greg, il est d'accord, il dit il alléluia. Dans ce truc. Il a résisté au crash, il résistera aux balles. Faut espérer, je détecte du mouvement tout autour de nous. Vous avez vu? Malheureusement, oui. C'est ça, les burn-out. Ah bah écoute, tu m'en veux pas pendant que tu joues et que vu que moi j'ai pas grand chose à faire, je vais aller défoncer la gueule à du dur sur le conseil des 4. Y'a rien de mieux dans la vie, je crois. Oh, le bon vieux crash. Le crash du PC ou le crash du monorail? Non, du monorail. Ah ouais, bah oui, on passe au chapitre 2. Voilà. On va voir les gros machins dégueulasses. Ah. Ah. Est-ce que c'est pas là qu'il y a de l'hélicieux à faire en masse? Non, normalement tu l'as passé l'hélicieux à faire en masse. Hein. Ah, je sais que t'as un truc, si tu leur tires sur les petites bouboules qu'ils ont au niveau du cul, je crois que t'as un truc à faire comme ça. C'est pour ça que tu peux faire pas mal d'entrées des artistes si tu te démerdes bien. Ah ouais. Notamment avec le premier flingue chargé. Ils arrivent. De toute façon, là, ton meilleur ami, ce sera fusil à pompe, premier flingue et pistolet, je pense. Illumination, post-combustion, économe, fine gâchette, mais il y en a plein de trucs à faire ici. Oh là là, c'est génial! Oh le joli bordel! Ah oui, dans ce niveau ça chie, ouais. Ça chie pas mal même. But! C'est quoi la but? Bah, il y avait une bombe, j'ai shooté dedans, il a mis une tête. Et bah, s'il est con aussi, fatalement, on va pas y arriver. Voilà. Mais il est complètement con! Yeah.
et un robot. Hein. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Oui, mais j'aime pas cette arme. Je viens de débloquer la charge sur le lacérateur. Ah ouais, mais ça sert à rien cette arme. Je sais pas. En fait, les armes, enfin, c'est super dur d'utiliser. Il faut vraiment le faire que les utiliser parce qu'elles sont tellement dures à faire au niveau des skills et de ça. Les rebonds, par exemple, avec la boule, le lacérateur arriver à choper des mecs sur des poteaux et les couper en deux, du coup. C'est tellement dur. Ils auraient dû faire moins d'armes, mais avec plus de skill shots à la limite. Quoi. Ouais, ça aurait été plus fun. Et là, je crois que c'est ma scène préférée en fait. Ah ? Mais oui, tu sais, c'est un piège. Ah oui, it's a trap. Il est marqué en gros, tu sais, genre. C'est parfait ça. Oh, il y a de quoi boire en plus. Ah bah, la base. Putain, ouais. Alors, allez, ouvrir la porte quand t'es bourré, c'est dur. Ça tangue. Légèrement, ouais. Tu sais qu'ils ont bien fait l'ivresse dans le jeu. Burnout, j'en vois 4. Y'en a combien en fait? T'es rentré dans le truc, puis y a marqué un... c'est un piège et tout ça là. Ouais, ouais. Ah, tu vas t'en taper. Ah, ok, par contre, je crois que tu peux faire de l'acupuncture là. T'as des trucs boules empalées. Ah, ouais. T'es le mec, c'est sans voir le jeu. Je vous rappelle, il y a un truc, c'est le gros geek, tu vois, le mec qui passe sa vie sur les jeux. Ah, c'est loin d'être le cas, malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais... La jolie t'as fait ta bouche. T'as fait genre le sismologue hein. Ouais bah tu sais j'en avais 4 qui me couraient après, j'étais en train de recharger le shotgun. Ouais. Dernière croisade. C'est quoi cette dernière croisade? Enfin bref. Et du coup bah il y en avait 5 ou 6 et j'ai envoyé un bon petit coup de sismologue, ouais. Attention c'est la base ça le sismologue. Ouais ouais ouais. La base. Complètement. Non, t'as 30 000 mecs qui t'entourent, tu sais pas quoi faire et tu vois un toit, c'est sismologue. Même si tu vois pas de toit, tu fais feu d'artifice, la belle rouge quoi. C'est ça. Mais si, c'est là qu'on va pouvoir faire plein délicieux quand on sort de la salle à trappe. Je sais, je me souviens plus de rien de cette salle. C'est pas le passage qui m'a le plus marqué, moi c'est après. Quoi. Avec cette superbe rime julienne. Oui, t'es mignon, regarde. Économe, fine gâchette, tout ce que tu veux. Le mec qui lui fait la totale. Mais oui. Du vent, toi. Qu'est-ce qui aurait été marrant dans ce jeu ? Vraiment une arme qui aurait été énorme. C'est un espèce d'aspirateur inversé, c'est-à-dire tu peux aspirer le mec. Ah, j'ai trouvé ce que tu voulais faire. C'est l'explosion. Une balle dans le cul. Ah voilà, explosion, c'est celui-là, voilà. C'est ça, bah, je vais en passer hein. Bah bravo, et tu l'as fait avec quel arme ? Le revolver. Le revolver, ouais, il est bien pour l'explosion. De toute façon, il faut un truc qui envoie une bonne, un bon shoot et en un coup, quoi. J'adore le shotgun, moi. Croche patte et explosion. Ça, c'est du beau combo. Alors, la shotgun... Ouch, ça c'était ma côte. Le shotgun, je réserve plus à la limite pour les... Tu sais, les espèces de lézards à deux balles, là. Enfin, c'est cette espèce d'homme lézard chelou, tu sais, qui bouffe les humains, en fait. Enfin, ils s'auto-bouffent. Oui, les... Non, pas les skulls. Non, les skulls, c'est les humains, justement. Non, c'est les... Bref. En fait, ça finit en heur, un truc comme ça, c'est genre les rivers, un truc comme ça, enfin, bref. Je sais plus, ouais, une connerie dans le genre. Et eux, vu que tu peux pas trop les shooter, ils sont trop agiles, le fusil à pompe, c'est juste royal, quoi. Ouais. Mais violente, c'était mon truc. Il y en a qui t'embête ? Mais oui, elle a fait péter à ma place. Ah voilà, bah voilà. Voilà, voilà. T'es pas assez ferme, Mickey, je t'ai dit.
t'embête. Ça, je préfère. Au grand mot, les grands moyens. Et casse-toi. Voilà. Dernière croise. Ah, si, je sais ce que c'est, dernière croisade. C'est quoi? C'est parce que j'ai plus de PV. Enfin, plus de PV, c'est vite dit. Ouais, genre t'es en rouge, toi. Mm. D'accord, donc c'est quand t'es en rouge, tu peux faire du méga frag et... Ah non, ça peut être sympa, ouais, pour faire du... Ouais. Non, tu meurs pas de suite, toi. Voilà, édicieux. Iki, le grand fan du édicieux, tu sais. Oh, y'a un gros moche. Il y en a beaucoup de gros moches dans celui-là, si tu veux, mon avis. Mais pas encore mort. On peut y remédier? Oui, on peut. Viande hachée. Plus drôle, non. C'est bon, quand t'as fait les images, c'est Iki qui parle comme un con des... Viande hachée. Ouais. Ce qui m'avait bien fait marrer dans l'un de tes épisodes, c'est... Un mec qui te fonce dessus, tu lui mets un vieux coup de latte, plus un coup de fusil à pompe, je sais plus ce que tu lui fais, mais tu lui violes sa gueule, un truc de malade. T'avais pas qu'à me foncer dessus et me faire peur. Le mec qui lui a ruiné la gueule, c'était pas qu'à me faire peur. Tu sais qu'avant que tu me dises, j'avais pas calqué que j'avais fait ça, moi. Ah non, mais on était morts de rire, je crois qu'on avait vu ça, on était avec du dur à ce moment-là, mais on était pliés, on en pouvait plus, quoi. Genre le mec, quoi, tu m'as fait peur et tout, le type, il l'a juste défoncé le gars en face, quelque chose de violent, quoi. J'ai une intuition. Une intuition. Est-ce que tu crois qu'elle est bien, son intuition féminine à elle? Bah... Ouais, c'est ce que je pensais. Si on part du principe que Grey a une intelligence masculine, on peut dire qu'elle a une intuition féminine, oui. Hein? Si tant est que l'intelligence masculine existe, mais bon, chez Grey en tout cas, c'est sûr. Ça n'existe pas des masses. Ah, une fois que c'est sorti de la bouteille, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'est ça, c'est l'intelligence masculine, c'est Grey, c'est une bonne bouteille. Tu... Ouais, j'aime bien le titre du chapitre, pétage de plomb. Normal, quoi. Normal. On va peut-être retrouver Serrano. Serrano, quoi, Serrano, nommé. Mes circuits logiques. Ça, c'est... C'est parce que l'intelligence masculine, à la base, ça vient d'un vieux trip avec les copains. Pas mal, hein. Y'a Sushi qui nous sort, mes circuits calculent une très faible sur, chance de survie. Et l'autre con qui le regarde fait, bah prends des antidépresseurs, je sais pas. Je peux faire quelque chose. Normal. Non, c'est que tu serais presque amical. Huyez. Ouais, je viens de défoncer une porte d'ascenseur, tout va bien. Ah bah normal, la base. C'est marrant comme... Ouais, je te disais, ouais, donc coup, l'intelligence masculine et de la nature féminine, c'est un vieux trip à la base. C'est mieux une fois qu'il nous est sorti, en fait, l'intelligence masculine, c'est de dire « On fonce dans le tas !» Et l'intuition féminine, c'est de dire « C'est peut-être pas une bonne idée !» Bon, il arrive quand ton vaisseau? Donc je crois que ça peut se résumer à ça dans Bulletstorm, en fait. Ils ne savent pas que je suis en vie. Mais ce type dans la notamment capsule, le... Ah putain, mais oui, ils l'ont pas encore fait, attends, je dis pas. Ils l'ont pas encore vu, ça devrait pas tarder, par contre. Impossible de transmettre quoi que ce soit. S'il est vivant, un transporteur viendra l'évacuer. S'il meurt, pas d'évacuation. Bon, on va le tuer, ça sera plus simple. Non, c'est pas ça. En parlant du loup. Oh, un gros vaisseau. Des signatures offensives. Il est vivant. Il résiste à un groupe de Skulls. Pour l'instant. Tant qu'il y a de la vie, nous en espérons. Donc là, t'es avec le Hécatome. Là, je suis en train d'aller récupérer le début, ouais. Ah, ok. Ah, il était ouais, bien. C'est là où il y a la phrase la plus mythique du jeu, quoi. Oh oui. Coucou les copains! Ouais! Ouais! Ah, bah ils sont déjà morts. Oh, bravo. Fier de quoi? Attends. Ah bah pompiers, c'est quand je les achève hein, qui brûlent. D'accord. Enfin à peu près, parce qu'il y a la post-combustion normalement, mais... Je descends. Mais non, on va pas la chercher, elle est bien au fond. Ouais ouais, peut-être bien, mais c'est pas une raison quand même. Ah oui. J'ai raison, on l'abandonne. Connaissant, je pensais que tu l'aurais compris. Les cinématiques là. Ouais. L'éthique, mon cher Grey, c'est pas ton fort. Quoi? T'as baissé les bras? Tu laisses ton côté robot te dominer?
C'est ça, vas-y. J'en avais marre de t'entendre faire la morale de toute façon. Pour info, Sarano reste sous ma protection. Si tu veux t'en prendre à lui, je n'hésiterai pas à t'éliminer. Ouais, ça fera un sushi grillé. Essaye un peu de m'éliminer si tu le peux, au bout de mes deux. Ah, ça me fait chier de pas avoir les images quand même. C'est con, hein. Ah ouais, non mais j'aimerais... Moi, je me bidonne sur ce jeu, donc fatalement. Ouais. Allez, Miss, me lâche pas maintenant. Oh, le con. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand il essaie de lui faire du bouche à bouche. Ah. Tout ça. Oui. Tout ça, c'était juste pour régler vos comptes. Cette avec scène-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh ouais. Surtout qu'en plus, ouais. Pour tuer cette sale merde de général. Mais je réfléchis bien. Attends, elle a... ils ont combien de d'âge de différence à ton avis les deux? Ouf, à vue de nez, il y a presque la vingtaine de différence. C'est ce que ça ouais, fastoche, hein, parce que ouais, est toute petite quand ils sont dans l'immeuble là. C'est tout début. Que l'écho a lâché Sarano. Sarano a voulu se servir de nous pour faire des trucs pas nets, genre assassiner des civils, des rivaux politiques, des reporters, des témoins. Qu'est-ce que t'as dit? Des reporters? Sarano a tué des reporters? Il y en a eu un au moins, ouais. Mais un certain Novak. Tu mens! Comment tu sais ça? Novak. Tu le connais? Mon père a été tué par des séparatistes. Si j'ai rejoint la corporation, c'était uniquement pour trucider les enfoirés de putains de séparatistes qui l'ont assassiné. Si bah, tu connais le responsable, t'as intérêt à me balancer son nom tout de suite, putain! Je sais que le commanditaire, c'est Sarano, mais c'est tout. Tu mens, c'est des conneries! Alors oui, comment je connaîtrais le nom de Novak? On a tout sur Sarano, tout. En partie, c'est à cause de ton père qu'on a largué Sarano. Si tu mens, je te jure que je t'arrache la langue. Putain, je te jure que je te réserve une mort lente et douloureuse. À côté, le crash, c'était rien. Mais c'était drôle, le crash. Je sais même plus où t'en es, là. J'ai pas de question, quoi. Allons dire un mot au général. Il vient de lui expliquer que ils ont trucidé son père pour se rendre général, mais qu'il a pas dit que c'était eux encore. D'accord. En plus, on l'apprend assez tôt au final que elle est. Ouais. Qu'elle c'est la fille. Il y a une voie express pour descendre, mais ils veulent pas que je la prenne. Tombé. Bah voilà, j'ai eu ma voie express. Le mec il s'écrase au milieu de tout le monde, c'est bah voilà, j'ai eu ma voix express, c'est trop bien. Vas-y, trop bien, je vois comme si j'étais bourré. Ah, ça va durer. J'ai si pas très bon pour suivre. Ouais, vieux singe, grimace. Vous voulez faire plaisir à Iki, vous mettez un jeu où on peut se bourrer la gueule. C'est aussi simple que ça, je crois. C'est ça. Alors, moi ce qui est bien, c'est que celle qui ouvre la marche, en fait, c'est moi qui vais devant. C'est étriqué ici, j'aime pas ça. Et c'est tout petit. C'est la peur que j'entends. Mais donc, non. Shotgun. Iki, c'est vraiment ma subtilité dans ta gueule. Ouais. Oh, des balles. Voilà, shotgun. Bah, tu vas encore plus t'amuser là quand tu vas atterrir dans la deuxième partie du niveau, on va dire. Ouais. Ça va être vraiment n'importe quoi là. Putain, non, mais il y a des restes. Bande de gros dégueulasses, quoi. Vous auriez au moins pu finir le repas. Putain, mais là, de toute façon, c'est le meilleur moment du jeu niveau dialogue. Mais si on met plein la gueule, tous, c'est n'importe quoi. Là. Oh oui. Oh, ça court sur les côtés. T'as déjà eu le passage où elle lui demande si pourquoi elle est, le hécatone est énervé comme ça? Je crois pas. Ok, je vais le faire alors. Tout ce que ce passage là il est parfait quoi. Ils sont où les copains? Oh, c'est tout dégueulasse. Qu'est-ce que... Y'a des balles. Ouais. Oh, mais c'est parfait quoi. Entendez qui joue à ce jeu, c'est vraiment parfait. Hey Trishka, encore un prétendant près de la porte.
Oh, le gros débile. Le gros mutant, tu sais, qui sort en faisant exploser la porte, il se paye deux tuyaux qui tombent sur la gueule, il s'écroule dans la piscine verte au milieu, là. Ça a l'air marrant, je peux pas y aller. Pour le coup, j'aurais presque envie de faire un Oui, ce passage-là, putain, oui, mais tiens, j'ai loupé plein de trucs, moi, je me souviens vraiment pas de ce passage. Bon, en attendant, j'ai trouvé le chemin. Ah, retour dans les égouts. Avance. Wink, 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 wink. Tu sens ça? Ah, de l'air frais. Ouais, l'air pur. Vas-y, on rampe jusqu'en haut et... Oh, encore des immeubles en ruine. En même temps, c'est un peu constitué que de ça. Hein. C'est... Il y a pas de quoi à boire. Mais là, je crois pas dire de bêtises en me disant que tu t'approches sévèrement de la fin. Ouais, ouais, ouais. Bah, une fois qu'on a remis la main sur un trou, y'a plus de choses. Bah, il reste à temps que je dise pas de conneries. Ouais, il te reste un peu de chemin. T'as fait, on va dire, les deux tiers. Il y avait une embuscade, j'ai trouvé un pauvre débile, il a valsé sur le robot. Du coup, j'ai fait du 2 en 1. T'as eu un fond fracassante du coup. Non, je crois qu'il faut faire péter le robot pour l'avoir pas en sens inverse. Ah d'accord, là c'est con, ça aurait été retour à l'envoyeur, ça aurait été bien. Oh. Bah alors le copain il est passé où? Fuite cérébrale. Ah ça c'est avec les petits... Ouais. Espèce de baie chelou là. En faire péter quelques-uns là. J'ai encore fusil à pompe là. Je viens de passer au petit flingue, c'était plus simple, il y avait du monde. Ah ouais, carrément. Ouais. Un fusil à pompe sur les burn-out, c'est pas si fort que ça. Ouais. Mais là, c'est plus les burn-out, tu sais, c'est petit. Ah, c'est de nouveau les petites merdes. Ouais. Mais ils sont marrants eux. Ils sont fun, ouais. J'ai un gros copain qui arrive. Coup de balle. Oui, j'ai un gros copain, mais j'ai un gros jouet pour lui. Une fusée dans le cul du boss. Normal quoi. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Iki? Mais je mets des fusées dans le cul du boss, écoute, c'est formidable. Ça. Qu'est-ce qu'on se marre? Ouais, grand chelem. Ah. Bon bruit bien dégueulasse en plus. Non mais d'abord quoi. Robot. D'abord l'assaut, après robot. Ah, devine ce qu'on vient de débloquer. Vas-y, dis. La charge du shotgun. Ah bah voilà. Voilà, là c'est bien. Oh ta gueule le robot. Oh, j'en ai qu'une, on va essayer de pas la rater. Hein. De toute façon, je crois que c'est l'une des charges les plus puissantes. Hein, tu vois. Ah, moi, j'en suis sûr. En tout cas, c'est une des plus drôles. Le truc qui fait littéralement fondre sur place. Quoi. Il y a tout qui pète partout. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Immeuble qui tombe. Il y a plusieurs gens. C'est vraiment de mieux en mieux ici. Il
Ah bah voilà, économe. Ça le vertige, les gros machins comme ça, tu crois? Problème résolu. Et quels, les boss? Non, les burn-out. Je n'en ai balancé 3. Les burn-out, à mon avis, je pense qu'ils ont... Ouais, une notion du vertige assez approximative. À mon avis, ça se résume à... Voilà, ça doit être à peu près ce qu'ils pensent quand ils tombent. À la limite, il revoit sa vie de burn-out, c'est-à-dire le moment où il a mangé son premier humain, par exemple. Ce genre de choses. Olé. Quel véhicule? Mais j'y suis derrière le véhicule. On merde pas. Encore des burn-out. Où ça? Où ça des burn-out? Topless. Il y en arrive de partout. A ton avis, c'est un nom spécial, le burn-out topless? Hein? Qu'est-ce que tu racontes, fait? Y'a un burn-out qui me fonce dessus. Je lui fais un topless. Est-ce que c'est un nom spécial à ton avis? Burn-out topless, je sais pas, c'est... C'est gore. Dans les deux sens du terme, pour le coup, c'est vraiment gore. Ouais. Quand tu fais un topless à un skull, tu vois, bon... Côté un petit peu viril, huile d'olive, tout ça, Spartacus, mais... Mais là, quand même... Un burn-out? Ça fait des chocs à pic. Mais c'est lui, il dit paf. Puis je confirme, ça fait des chocs à pic dans le genre. Ouais, une bagnole. Ah, plus de bagnole. Oh. Hécatone. Ouais, je suis obligé de faire chier tout ce qui bouge. Ah, Godzilla pas content. Et la cinématiche. Pas content, les Katon. Ah, ça y est, t'es-tu là? Ouais. Ah. Le meilleur moment du jeu. Enfin, selon moi, bien sûr. T'as tué ces petits ou quoi? Non, pas tous. Ah voilà, t'as ces fameuses répliques. Mais il est énervé, on a tué ces petits. Non. Mais t'es vraiment trop con! Une belle charge! Réplique, comme ils se vannent comme des abrutis dans ce jeu, c'est n'importe quoi. Je viens de leur faire une belle charge au shotgun, elle était magnifique. Ah! Il y a encore mieux qui t'attend juste après. Oui, je viens de mettre la main sur le. Mais ça fait combien de temps que tu tournes là? Oh, on doit être 3 quarts d'heure là, je pense. 3 quarts d'heure, On va finir la séquence et on est pas mal. Hein. Ouais. Bah, c'est comme je t'avais dit là, si jamais tu veux, si t'as une vidéo d'une heure à peu près ou quoi que ce soit, tu le l'uploades le soir là pendant que tu dors. Ouais, on prend ça tranquille.
Ah, parce que sinon tu vas en chier, hein. C'est 8 heures minimum. Hein. Oh, y'a le grand moche. Et faites place au nouveau Rémi Julien et à sa machine à créer des trous de balles. Faites place à Ikidoru, Mimolette du Diable. Il va bien ça, Mimolette du Diable. Ouais, hein. Ouais, ouais. Ça va être ton petit nom maintenant. C'est bon, tu peux tirer. C'est genre Ikidoru, Mimolette du Diable et Post-Café Périmé de Feu, quoi. Fight du gros dino, ouais. Dis ça, moi je suis du coup. Du gros dino. Ah, ouais. Putain, j'ai oublié qu'on se dit le bordel ce séquence en hélico. Ah, mais il est génial, attends. J'ai fait un frag de boss, je l'avais même pas vu dans le tas. Reniflez ça un peu, sale crevard des marais. Ah oui, Sarano et sa poésie. Ah putain, ça va. Ce personnage est détestable en tout cas, mais il a juste une qualité pour lui. Des vannes, mais tellement énormes, quoi. Oh oui. Ici. Mais qu'est-ce que t'as au visage, fiston? Il faut qu'on parte, maintenant. Calme-toi un peu! J'amorce l'autodestruction! On n'a plus le temps! Oh, le gros bonbon explosif! Ça fait mal, hein! Je crois qu'elle a une rage dedans maintenant, l'hécatome. C'est vrai que tu lui balances quoi déjà dans la gueule à l'hécatome pour la capsule. Elle a bouffé la capsule de Serrano qui a fait. Ah bon. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Grayson, Général Pinduit. Je sais plus si c'est dans la gueule ou si c'est la capsule de Serrano. Général Pinduit. C'est vraiment très aimable de ta part d'aider Trishkam sauvé. Allez, la partie avec Serrano elle est parfaite aussi quoi. Ils passent leur temps à se valer. Combien nous lui sommes tous reconnaissants. On a un compte à régler, toi et moi. As-tu fait assassiner Brice Novak? Je croyais pourtant que t'avais la tête sur les épaules. Ton père, je m'en contrefous. Arrête tes craques. C'est Grayson. Lâche ton arme. Il manipule rien d'autre. Mais tu déconnes? Pas du tout. Je t'ai suffisamment entendu jouer les moralisateurs. Serrano va être évacué par vaisseau d'un instant à l'autre. Et moi avec lui, comme tu l'as promis. C'est mon nouveau meilleur ami. Putain de sushi, quoi. D'accord, Ishii. Ah, il fait encore chier. Il dit, ouais. Je n'ai strictement. Il fait tout le temps chier, Sushi. De toutes les conneries que vous déblatérez. Si l'un de vous a bon, on l'aime bien quand même. C'est circuit micro-ondes. Ça a déréglé. C'est le circuit micro-ondes. Ça a déréglé. Ah bah fatalement. Tous les deux. Tu vois, je t'avais dit. T'as mis une fourchette là dans ton plat quand t'as voulu faire réchauffer. Mais c'est pas grave. Maintenant, Sushi, il déconne. Ouais, mais ça fait un beau feu d'artifice. Ah oui, je confirme. Cette station m'a chargé sans regarder à la dépense. Ça, c'est aussi la baguette de pain à jamais mettre dans un micro-ondes. Alors ça, j'ai fait les frais, putain. J'ai mis une baguette de pain la dernière fois, c'est juste pour la réchauffer un petit peu, tu vois, pour la ramollir. Le truc, on l'avait mis une minute, il est ressorti noir, le bazar, mais noir et fumant, quoi.
pour nous sortir tout ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mon cher ami peine à jouir. Cette bombe coup, avec les deux pages, je rentrerai plus, tu vois. D'ici deux heures à peine. Tu fais tes expériences dans la vie, c'est bien. Pour que le ouais, 2 heures pour se barrer avant l'explosion. Alors, vous voyez le problème? Putain, 2 heures de jeu, c'est-à-dire qu'on encore aller 2-3 épisodes, grand max. Il dit la vérité. Ah, c'est quoi, ça correspond bien en heure de jeu, ouais. Bah tu vas assez vite, donc à mon avis, ouais, en 2-3 épisodes, c'est torché. Réfléchis un peu. Je veux dire que tu vas réussir à finir ton premier let's play après 2 ans. Elle aurait bien fini par découvrir que ton escadron d'aide éco qui a tué son paternel. Ah, et après, allez les filles, il y a de l'orage gamma dans l'air. Bref, si vous voulez survivre quelques heures de plus, mieux vaut se mettre à l'abri. Occupe-toi de nous faire accéder à Ulysse pour désactiver cette bombe. Gray, sois raisonnable. On peut encore s'en tirer vivant. Raisonnable? C'est pas dans ma nature d'être raisonnable. Oh, il est pas raisonnable. Bah voilà. Fin de l'acte 5. En fait, j'aurais torché l'acte 5 sur la vidéo. Ouais, putain, la vache, t'as fait vite, hein. Ouais, ouais. J'aimais l'annonce pour le prochain acte, hein. Chapitre 1, papa va se faire sortir de là. Ça sent la grosse vanne de Sarano. Ça sent la grosse connerie, moi, je dis. Bon, bah, sur ces entrefaits, je crois qu'on va s'arrêter là, quand même. On a une bonne heure de vidéo, là. Donc, moi, je dis... suspense, hein. On va voir ce qui se passe à la suite. On va tout faire péter, ou pas. On va voir. Enfin, quand tu as botté le cul à Sarano. On écoute ces vannes. Qu'est-ce qu'on fait? On le tape ou on écoute les vannes? Bon, on écoute les vannes. Ouais. Attends. Et puis sinon, bah, on se retrouve au prochain épisode, hein, donc je vais faire un effort, il sera pas trop loin normalement. Et sur ce, ah bah, moi, j'ai du dur là, Kim Shop sur Skype. On va aller voir du dur. On va aller voir du dur. Et en attendant, on va dire bonsoir aux gens, bonne nuit, bonne fin de journée, bonne journée tout court. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Et puis à la prochaine. Bon, et bah les gens, tchou. C'est pas été d'une grande utilité, moi, du coup. T'inquiète, on s'est marré quand même. Ça va, ouais. Allez, ciao tout le monde.